Et salut, salut. On est de retour sur du Silent Hill. On va avoir une scène très très dérangeante. On va affronter un des gardiens. De souvenirs. Balle de fusil à pompe. I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Bon. Oh, le but ça va être de survivre. Là on n'a pas 36 solutions. On va arriver à toucher sa tête qui est évidemment derrière. J'en ai un. Alors cette rigidité fait que... Voilà. Ok. Ouh, j'ai l'impression que le labyrinthe est beaucoup, mais alors beaucoup plus cool. On est en face de Prestar hein, pour le labyrinthe. Qui est en deux ou trois parties, il me semble. Les téléviseurs. Si on trouve les téléviseurs, on trouve le boss.
Simple cette phase. Ah, ils ont rendu le combat vraiment vraiment plus cool hein. C'est on est vraiment dans le bon sens du terme. Il y a une certaine pression qui s'installe et tout, j'aime beaucoup. Parce que là, il faut que je m'y retrouve. Peut-être par là. Fermé. Shit. Ah oui, c'est par là, je crois, non? Non. Très très loin de la santé. Cette dernière était bizarre. Les murs qui sont faits à base de peau, hein, de cadavres. J'arrive à viser la tête, et là il est rapide. Hein.
3. Just, it's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela. I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. No! I need to find my mama. I never. Un homme qui culpabilise. Bon. Ouais, ça c'est un immonde. Immonde et ignoble. On comprend ce qu'était ce père et son péché. L'envie. Évidemment, on affrontera la gourmandise très bientôt. Me semble. Pour ceux qui ont fait des études de religion, vous comprendrez de quoi je veux parler. Pour les autres, il faut avoir lu certains livres, certains récits, connaître un petit peu la Bible. Le jeu prend pas mal de choses venant de la Bible. Ok, donc là on est enfin dans le labyrinthe. Voilà, c'était l'intro du labyrinthe. Good luck. Alors, on va éviter, hein. Et là, animation plutôt cool, on va dire. Il
voudrais bien un petit peu être un vrai, vrai enfer si vous n'avez pas de chance de souvenir. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu rework, donc on va voir, ça va être la surprise. Killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Bon, évidemment, hein. Ça pourrait être pas plus simple. Hein. Une énigme. Celui qui monte. Quand même, on va recharger, ça c'est bon. Ah,
Vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les insectes. Il y a de quoi être trigger. Pas s'arrêter de souvenir. C'est pas un adversaire très difficile, mais c'est un adversaire très stressant de souvenir. Alors... Bonjour. Alors, ça s'assure qu'elle soit bien morte. Allez, on est parti, lui mettre le bras. Je me le prends. Continue. Le jeu est plutôt généreux en munitions. Parce qu'il précalcule qu'on a claqué beaucoup sur le boss d'avant. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour moi. Bien. Ok, dans l'horaire. Bon, je sais pas du tout quelle clé ça ouvre, mais... On va regarder, donc là on a fait ça... Tac... Là on est plutôt bien, hein. Franchement ça prend sens petit à petit. J'ai même ça tendance à tout noter au fur et à mesure. Donc, on est... Ça c'est l'enfer.
seringue. Bonjour. Voilà. Alors, par où on peut sauter là? Attends. Dis pas que je vais devoir. Ouais. Radin Land, hein. Donc, ok. Faut se casser de là. Alors, on va repasser à droite. Alors, pour l'instant, on est vraiment bien, je dois l'avouer. Satisfait. Hop. Faut baisser le niveau d'eau. Le briquet, bon. Là, du coup, on va pouvoir tourner dans la grande salle. Attends. Non, c'est combiné avec le.
trace de ses morts. Bon, on va peut-être faire une sauvegarde là. Faut y aller. Ok. Peut-être celui-là, on va voir. Et donc là il faut faire tout un tour, je pense, pour arriver à l'échelle. C'est une sauvegarde. On a sans la rodka là. Carabine. Quand le jeu te met bien en mission, ça veut dire que tu vas avoir un truc un peu énervé. Ok, pardon, d'ailleurs on voit la passe d'épée de Pyramid Man. Ouais, je l'appelle Pyramid Man parce que à chaque fois il a plusieurs noms et j'aime bien le mot Pyramid Man. Ça lui correspond bien. Ah, peut-être que. Ah. C'est fermé maintenant. Bon. Thank you.
Alors, notre portion, hein, du labyrinthe, évidemment. Ça va être l'enfer, là. Pour couper. Ok, on vient de là, mince. Pas vu ici pour rien quand même. Alors attends. Ok, donc aussi il faut que je redescende apparemment. Là du coup. Non. Ça aurait été trop beau. Donc, ah, d'accord, ok. Donc en fait, je suis pas trompé. Il est pas venu ici. Voilà. Alors, je me calme avec les balles de pistolet. Donc, je disais. Là, du coup, on enverse ça. Alors, 2. On peut vraiment pas ouvrir celle-là. Bon, il va s'ouvrir de l'autre côté, je pense. Ici on avait ramassé un truc, donc on va aller prendre ouais, on va prendre le deuxième escalier qui est au final le premier.
Tu me saoules. Couché. Ah, ça brille. Bon. J'imagine que là ça va m'ouvrir, voilà, là ça va me ramener dans la pièce, voilà, ok. Hop. Franchement c'est, alors je sais pas si c'est plus visible ou si c'est moi, mais ouais, c'est vraiment sur le labyrinthe qui est beaucoup plus abordable, on va dire, que l'était dans la version de 2002. C'était vraiment chiant. Ah! Bah ok, copain. Il aurait quand même pu proposer le jeu une petite save, mais moi j'ai envie de te dire. Allons-y, allons-y. Qui a en mode mais attendez pas à le voir là, on va dire, mais bon, sympa. C'est une phase très stressante là. J'aime. Je tiens à le signaler. Alors il faut certainement récupérer un coupe-tout, mais où? Bonne question. On va remonter. Plus short, je suis passé à côté. Oh mais attends. Oh attends. Ah.
Wouah! Eh bah dis donc. La frame quoi. T'es niqué mon vieux. Ah. Voilà. Ça c'est vraiment pas cool. Hein. Donc, on va se soigner après. Pas qu'on arrive au bureau. JPP. Petite lampe rouge comme ça là. Derrière là. Mais regardez. Il était trop gros le monsieur. Bon, allez, dernière portion. On continue. La dernière portion. Celui-là, on l'a peut-être déjà fait, mais... on va voir. Hein. Ouais, déjà fait celui-là. C'est l'aile flippante, on va dire. Ok. Thank you.
Voilà. Bon. Et ben, le jeu veut absolument que tu affrontes des créatures en permanence. C'est pour ça que j'ai gardé des munitions pour les moments comme ça. Et là, tu te rends compte que ça... Allez. Je te fais pas de cadeau là. Et c'est ça qui est bon. Fais pas avec cadeau, il te met bien quand même en, ah, en soin et tout. Ah non, c'est beaucoup plus simple que la version de 2000. Hein. Y a pas à dire. Ils ont un peu casualisé la chose pour le monde normal. Là. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça rend la chose un peu plus agréable en fait. Encore un. Voilà. Ce petit labyrinthe, il aura été super.
super super cool. Je pense que c'est la meilleure partie du jeu. Enfin, pour l'instant, c'est ma partie préférée. J'ai bien aimé aussi l'hôpital, hein, je dois avouer. Puis la partie de la visite aussi de Silent Hill. Hein. Ok. On a compris. Where are you?